Guangzhou, première vidéo les amis dans cette chambre. Je suis arrivé pas plus tard qu'hier, hier dans la nuit. Donc aujourd'hui j'ai une visite. On va se rendre ensemble chez le fabricant de valises que vous avez vu dans une vidéo précédente. On a une commande en expédition, donc on va venir checker la marchandise, voir si tout est OK. Et également un sample. Donc on a la commande d'Apollosio qui va être expédié dans quelques jours, que je vais aller checker, et le sample de Sofiane. Donc je vous fais un coucou les gars, on va aller voir l'échantillon de la valise de Sofiane, qui est une valise en aluminium, etc. Donc on va aller voir un petit peu en quoi ça consiste, le déposite a été fait aussi, et puis on va voir un petit peu avec le fabricant comment on peut avancer sur les prochaines commandes qui sont en cours. Donc voilà, vous allez me suivre dans cette journée. Et puis là on est, si je me trompe pas, le 12. Donc dans 2 jours, le stage démarre. Force à tous, on y va. Voilà, direction le fabricant. Je suis un peu en bad mood, les amis. Je suis pas content parce que je viens de perdre près d'une heure. On m'a envoyé un chauffeur et c'est pas pour faire la princesse du tout, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. On vient de m'envoyer un chauffeur, le mec s'est paumé. Ça fait une heure que je l'attends. Bon, là, je suis dans la voiture. Et une heure. Quand tu es en voyage d'affaires, déjà j'aurais pu tout simplement faire une sieste, récupérer du rythme que j'ai, que d'attendre comme un con dans le lobby de l'hôtel. Mais voilà, on va positiver, on va se dire que c'est écrit. J'aurais pu avoir un accident sur la route, j'aurais pu avoir naninana, mais voilà. Là j'ai profité, j'ai 2 heures de trajet. Je vais en profiter pour essayer de récupérer. Certains ne vont peut-être pas comprendre, on se dire voilà c'est qu'une heure, mais le temps, tout le monde dit le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est bien plus important que de l'argent. De l'argent on peut en récupérer, on peut en faire, le temps non. Là j'ai un timing qui est vraiment short, j'ai prévu normalement de voir un autre partenaire en rentrant, et ben là ça décale tout, je vais peut-être perdre une visite. Donc je protège mon temps comme un loup, ça c'est ceux qui me connaissent. Je suis très dur, à la fois dans la récupération. Il ne faut pas me déranger quand je récupère, quand je dors. Il faut respecter le planning. Parce qu'on manque toujours de temps dans le business, les amis. On ne manque jamais d'argent. L'argent, ça se trouve, des investisseurs, des partenaires, etc. On trouve l'argent, mais le temps, on ne le trouve pas. Et ça, c'est vraiment le conseil que je voulais vous donner. Bien arrivé, j'ai pu dormir dans la voiture. Ça m'a calmé. Donc voilà, c'est la commande, on est en train de checker avant l'emballage et puis l'expédition, la commande de notre membre Apollo qui a passé justement un conteneur 20 pieds avec création de sa marque. Donc là, je vais demander un échantillon, qu'on fasse des tests aussi, des tests qualité. On a une autre partie de... Une autre partie intéressante, en train de faire la couture, hop, qui va aller à l'intérieur de la valise. Alors ici on a les cartons qui ensuite vont partir, les cartons qui vont partir ensuite au chargement du conteneur. Tac. On a Michael, the boss. Ok. Test quality. Ok. This part is check the trolley
smoke all out. Now we will check the handle. Is staple or not? Check the wheel. Voilà, on a le label d'origine qui est très important à la provenance de la marchandise. Now we check in the zipper smooth or not. Perfect. This one is 3 pieces inside. About 9.5 kg. Là, il y a les trois pièces à l'intérieur. D'accord, il y a le set de trois valises qui correspond à une valise chargée. So I just take the video with you and the goods. Bien entendu, c'est un check parce qu'on a l'habitude. J'ai pas vu qu'ils devraient mettre du poids dans la valise, mais on se rend compte qu'on a l'habitude. Belle qualité, surtout un très bon rapport qualité-prix. Pour venir, voilà, mettre ensuite dans les cartons personnalisés. Voilà. Donc on en profite, j'en profite d'être justement sur Guangzhou pour aller checker personnellement la commande. On aurait pu revenir bien entendu ici avec les membres du stage, si je souhaite d'ailleurs, au niveau du timing, si on a le temps, je leur proposerai, mais voilà, j'ai peur que ce soit trop serré. Donc on a, j'ai préféré y aller tout de suite, ce qui est fait, voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre, comme l'on dit. Donc maintenant, on va checker une nouvelle commande, cette fois-ci pour des valises en aluminium. Ça va partir en commande? Oui, mais. Ok. Inside, right? Very nice. And this wheel is much better than the ABS one. You can see there are some pin. Okay. And you see there are the spring. Absorber? Okay. Spring. So when you drop the bag, the spring will I am 17.
viendra en aluminium. Ok. Very good, Michael. Yeah. And the color is there. Ah, the color. Because you order gray and. Donc voilà, remerciements à nos deux partenaires, nos deux membres GITC, ils sont membres de l'élite GITC. On a Apollosio avec son conteneur 20 pieds qui va justement être expédié dans quelques jours. Là, on s'occupe maintenant de terminer le packaging qui ensuite, on va fixer une date avec le transitaire. Et puis, remerciements également à Sofiane. D'accord, c'est leur premier conteneur, donc n'hésitez pas à les encourager en commentaire, leur envoyer de la force. Félicitations à Sofiane pour ce conteneur de valise en aluminium. Voilà, on a un partenariat qui est sympa avec ce fabricant. La qualité, le rapport qualité-prix, c'est plus important parce que voilà, dans les valises, parfois, on peut avoir du prix, mais ça ne tient pas. Là, on a vraiment un produit qui est sympa en termes de qualité, un rapport qualité-prix qui est top. Si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer sur ce business, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toute une gamme complète, www.gitc-agency.com. Donc là, on a chargement d'un conteneur. Juste ici. Deux valises, 40 HTU. Chargement supplémentaire. Voilà. Ça part aujourd'hui. On a également ici chargement d'un 40 HQ sur le business de valise. Le chargement, comme vous voyez, hein, c'est fait à la main. Tout ça, c'est chargé à la main. Donc, courage les mecs, ça part d'ici. Et voilà, on charge cette fois-ci. This one is more easy. Hein. Ah! This one is more. Save one labor cost. Hello! Hello! Okay! How are you? Moi j'ai de la chance, les amis, je tombe toujours sur des chauffeurs. Je les appelle tonton, c'est quand je tombe sur un chauffeur comme ça. C'est un peu le chauffeur sympa, tu vois, un peu l'oncle sympa qu'on a dans chacun dans notre famille qui s'en bat un peu les couilles de tout. Tu vois. Il est là, il plaisante, il se prend pas la tête et j'aime bien. Donc voilà, au niveau de la visite, les amis, ça s'est bien passé. Je vais faire un petit rapport, j'ai un échantillon dans le coffre. Je vais faire un petit rapport à la fois à notre membre Apollo, Zio, et puis à notre membre Sofiane. Et puis vous avez vu également hein, d'autres commandes qui sont en expédition. Et puis on va développer aussi ce produit au sein de chez GITC. N'hésitez pas hein, si vous avez des besoins. Donc moi direction Guangzhou.